Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma routine soin visage puisque vous me posez énormément de questions, vous me demandez toujours en commentaire c'est quand que tu fais une routine soin visage, c'est quand, c'est quoi, blablabla. Donc j'ai dit aujourd'hui je vous fais la vidéo. En fait je mets du temps à vous faire des routines soin visage parce qu'à chaque fois que j'ai certains produits que j'utilise depuis un petit moment, des fois il y en a qui se terminent, hein, j'utilise d'autres, etc. Et j'ai pas forcément un avis tout de suite bien précis à vous donner et du coup ça m'embête un petit peu. Donc là je pense avoir un avis vraiment assez précis sur tous les produits que je vais vous montrer, donc c'est pour ça que je vous les présente. Petite précision au niveau de ma peau, j'ai une peau mixte à grasse, à tendance à imperfection et à tendance déshydratée on va dire. Donc voilà pour ma peau ce que ça donne. Donc le matin ce que je fais c'est que bah, je nettoie ma peau deux fois par jour. J'ai une peau mixte donc je peux me permettre, elle n'est pas hyper sensible non plus. Donc je peux me permettre de nettoyer ma peau deux fois par jour et moi j'aime bien le contact avec l'eau, j'aime pas les trucs sans rinçage, les choses comme ça, je déteste ça, non, il me faut le contact de l'eau le matin et le soir d'ailleurs. Et donc du coup j'utilise ce gel nettoyant de chez Barbara Gould. Alors je vous l'avais déjà présenté, je vous avais dit que c'était pas forcément un favori, c'était le Claire qui l'avait envoyé en test pour les, vous savez, les ambassadrices de la beauté Leclerc. Il m'avait envoyé en test et je vous avais dit ouais bof parce que je trouvais que c'était un peu trop agressif. Et en fait c'est un nettoyant à l'eau quotidien, purifie en douceur, révèle l'éclat. Il y a du Lufa vert à l'intérieur, je sais pas si vous pouvez voir, il y a des toutes petites particules qui vont exfolier votre peau. Et donc ça en fait quand je l'ai utilisé la première fois, je sais pas, j'ai trouvé ça trop agressif pour ma peau. Et là bizarrement bah, ça passe super bien, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'avais la peau sensible à ce moment-là, j'en sais rien. En tout cas, ça vous lisse la peau, ça resserre les pores. Enfin, depuis que j'utilise ça, toute ma routine, hein, en gros, je trouve ma peau beaucoup plus jolie. Donc voilà, je l'aime bien en fait. Enfin, tout simplement, je l'aime bien. Et donc c'est bio, non, il y a de la mélisse bio et c'est 95% d'origine naturelle pour tout type de peau même. Donc je vous disais, il y a du bambou, des micro-perles de bambou et du lufa, ce qui fait que ça dégomme bien la peau, mais tout en douceur quand même. Donc voilà pour le matin. Ensuite, je passe du coup ma lotion. Donc qui en ce moment, donc j'ai plusieurs lotions, je vais vous montrer. J'en ai trois à vous montrer de lotion. Mais donc le matin, celle que j'utilise en priorité, c'est celle-ci. C'est de chez Institut Arnaud, Beauté Pure, lotion clarifiante aux extraits végétaux purifiants. Donc dedans, vous avez de la bardane, du romarin et du citron. Et donc la peau est purifiée, matifiée, le grain de peau affiné. Utilisez matin et soir. Alors, je ne sais pas si vous venez de voir, mais voilà, regardez le truc qui m'énerve sur cette lotion, c'est qu'elle goûte. Je sais pas si vous pouvez voir. Enfin bref, elle n'est pas hyper. Vous pouvez pas la transporter quoi. En gros, même si je la déplace un tout petit peu, ça goûte de partout. Donc sur ça, le packaging Institut Arnaud, je viens de vous dire, c'est pas top. Elle fait bien son job, franchement, elle purifie bien. Par contre, je n'aime pas l'odeur. C'est pas une lotion que je rachèterai. Je l'avais reçue d'une agence de presse pour tester, mais c'est pas un truc que je rachèterai parce que j'aime pas l'odeur et j'aime pas le flacon. Mais sinon, elle fait bien le job, elle purifie, il n'y a aucun problème, ça resserre les pores, régule le sébum, affine les grains de peau, sublime le teint. Moi, je suis d'accord avec tout ça, sauf que le packaging et l'odeur, c'est pas top, donc je ne rachèterai pas cette lotion. Donc ensuite, j'ai celle-ci que j'adore, vous le savez déjà, c'est celle de chez Sanoflore, c'est la Aqua Magnifica Essence Botanique Perfectrice de Peau. Et donc celle-ci, c'est à base d'huile essentielle et elle a un côté vraiment mentholé un petit peu, donc... Faites attention pour les peaux sensibles parce que forcément il y a de l'alcool à l'intérieur donc ça peut agresser un petit peu la peau et en plus les huiles essentielles faut faire attention avec ça. Mais elle est hyper fraîche, franchement c'est ma chouchoute, je pourrais pas m'en passer. Et c'est vrai que là j'utilise l'Institut Arnaud parce que je l'ai, mais je reviendrai forcément à celle-ci parce que c'est ma préférée tout simplement. Il n'y a pas... voilà, elle donne un coup de frais à la peau, elle est vraiment bien, c'est bio, c'est des bons produits Sanoflore donc... voilà, moi j'aime beaucoup Sanoflore en règle générale, vous l'aurez remarqué. Hein. Et sinon, quand je sens que ma peau tiraille un petit peu, ça arrive le soir quand je démaquille ma peau et voilà, je sens qu'elle est un petit peu asséchée, un petit peu déshydratée, j'utilise celle-ci de chez Chronos. Non, pas de chez Chronos. Non, la gamme Chronos, mais de la marque Natura Brasil. Donc Natura Brasil, si vous ne connaissez pas, c'est une marque brésilienne qui propose des produits ici du commerce équitable, donc qui ont une très bonne éthique à ce niveau-là. Et donc la gamme Chronos, j'ai testé la lotion tonique protège et apaise pour les peaux normales à sèche. Et donc c'est une lotion qui est un petit peu plus laiteuse, un peu plus épaisse que la normale. C'est vraiment pas comme de l'eau. Et alors ça, je peux vous assurer que ça repulpe la peau, ça apporte un confort à la peau. Le lendemain, quand je me réveille, ma peau, elle est... Voilà, on sent qu'elle est bien repulpée, il n'y a aucun problème. Donc ça j'utilise vraiment de temps en temps quand je sens que ma peau
va un petit peu mal et souffre un petit peu de la lotion asséchante de ce côté-là. Donc on va dire que j'utilise une fois ou deux dans la semaine et voilà, ça me fait du bien. Plutôt le soir par contre, pas le matin. Donc en fait là je viens de me rendre compte que j'ai tout mélangé puisque je viens de dire je fais ça le matin, blablabla, mais je vous ai parlé des lotions, du coup je vous ai présenté toutes les lotions. Mais c'est pas grave. Alors du coup, le matin, je nettoie ma peau, je la tonifie et ensuite je viens passer un sérum. Donc ça, c'est un sérum que j'avais trouvé chez NOS, où je vous avais parlé dans un haul que j'avais payé vraiment une misère. J'avais dû le payer 4€ grand maximum et coûte, je crois, 60 ou pas loin de ouais, 60, 80€, quelque chose comme ça. Il coûte extrêmement cher. C'est un produit suisse et c'est le Eventone Serum, voilà. Et donc en fait c'est un sérum qui va permettre de combattre tout ce qui est imperfection, taches résiduelles au niveau de la peau, donc tout ce qui est cicatrices, illuminer le teint et lisser la peau grâce aux actifs qu'il a à l'intérieur. Et du coup bah, ça marche super bien, j'en suis vraiment très contente. En plus c'est un sérum qui n'est pas gras sur la peau, il est vraiment vite absorbé, il est très léger. J'aime beaucoup ce soin, je sais pas du tout si je pourrais le retrouver, si je pourrais le recommander sur internet. J'ai pas trop envie de mettre 80€ dans un produit, même s'il marche très bien, j'ai pas envie de mettre 80€ dans ce produit là. Je l'avais trouvé à 4€, ça m'allait très bien chez NOS. Des choses vraiment hyper bien, vraiment des bons plans, donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée de ça. Voilà, donc je mets ce sérum là, ensuite je passe à ma crème chouchoute, franchement j'adore cette crème. C'est la crème de chez Kiko, c'est la Shine Refine D, crème gel sébo équilibrante, voilà, qui est à base d'acide salicylique et franchement... Cette crème, j'en suis quasiment à la fin. C'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de cette routine parce que j'arrive quasiment à la fin de pas mal de produits. Au niveau de l'odeur, c'est muguet et concombre. Donc je vous laisse imaginer l'odeur très fraîche. Moi qui n'aime pas le muguet, franchement ça passe très très bien. Je sens pas vraiment le muguet ni le concombre, mais l'odeur ensemble, enfin les deux mixés ensemble, j'ai l'impression que enfin, ça passe très très bien. Et au niveau de la texture, on est sur une texture un peu gel crème. Je sais pas si vous allez bien voir. Gel crème très très hydratant. C'est pas asséchant au niveau de la peau, par contre ça purifie extrêmement bien, donc franchement je peux que vous la recommander celle-ci. Je la mets matin et soir, donc je vous en reparlerai après, mais je la mets matin et soir et j'en suis complètement fan. Ça fait une très bonne base de maquillage. Par contre l'effet sébo équilibrant, moi je l'ai pas trop remarqué. C'est vrai qu'elle agit pas mal sur les imperfections, sur le grain de peau etc, mais sur le côté matifiant, moi j'ai pas remarqué, donc bon voilà, c'est quand même une chouette crème que je pense racheter très prochainement. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je passe à mon contour des yeux, parce que mon contour des yeux, si je l'hydrate pas, c'est une catastrophe. J'ai le contour des yeux hyper déshydraté, je sais pas trop pourquoi, mais pourtant je mets des crèmes, hein. C'est pas faute de mettre des crèmes, mais j'ai le contour des yeux complètement bousillé. Je pense que c'est quand je mets mes anti-cernes, les poudres etc, je pense que ça déshydrate pas mal la peau. Et du coup donc celui-ci je l'ai terminé, mais je voulais vous en parler quand même. C'est le Hydra Pro Eyes de chez Kiko, sérum contour des yeux hydratants à base d'acide hyaluronique que j'adore, mais pour moi il est vraiment pas assez hydratant. C'est une texture qui est très fluide, le flacon pompe et tout génial, mais alors la texture est trop fluide et je trouve que c'est pas assez hydratant. Donc si vous avez le contour des yeux déshydraté, ne partez pas là-dessus, vous serez déçu comme moi en fait. Moi du coup si vous n'avez pas de problème particulier, allez-y, foncez, il est vraiment très bien, il est très léger, il laisse pas de corps gras, mais pour un contour des yeux très sec, très déshydraté, ça n'ira pas. Donc voilà, je l'ai terminé mais je le rachèterai pas celui-ci. Donc là depuis quelques jours j'utilise le Sublime Youth Eyes de chez Kiko toujours. Donc je suis passée à deux gammes au-dessus parce qu'il y avait une gamme intermédiaire, mais je voulais absolument cette gamme là puisque j'en ai entendu beaucoup de bien. Et c'est un baume en fait, baume contour des yeux anti-rides à base de rétinol dedans. Et du coup c'est comme ça. J'essaye de vous montrer la texture, est-ce que ça voudra bien. Oui, c'est une texture vraiment très riche, baume. Rien à voir avec celui que je vous ai montré avant qui était une texture très fluide. Celui-là il en faut vraiment très peu. Là j'utilise matin et soir. Et comment vous dire que c'est la révolution ce truc là. Vraiment il en faut très peu, ça lisse vraiment bien, la texture baume c'est hyper cocooning, enfin, je pense que ça c'est un peu un coup de cœur aussi, donc voilà, je prends celui-ci, il me va très bien pour le moment. Et le matin ce que je rajoute actuellement c'est de chez Sampar, donc ça m'a été envoyé pareil d'une agence de presse, le même produit que je vous ai montré tout à l'heure. C'est l'impossible contour des yeux, soin immédiat, lumière, illumine, lift, diminue les rides, cernes et poches. Donc moi, faut savoir, j'ai rien de tout ça, à part les ridules de déshydratation. Et alors ça,
J'étais vraiment pas convaincue au début, je me suis dit oh non, pourquoi j'ai reçu ça, franchement je vais même pas m'en servir, ça sert à rien. J'étais un peu dégoûtée, je me suis dit ça en part et tout, c'est une marque qui est assez chère et je vais pas m'en servir au final. Mais alors ce truc là, donc ça se présente sous forme de stylo comme ça, et c'est une texture qui est assez épaisse. Donc première fois que je l'ai utilisé, je l'ai mis directement comme ça sans mettre un contour des yeux avant, et je vous déconseille de faire ça, mettez un contour des yeux parce qu'en fait si vous l'utilisez seul c'est pas assez hydratant. Et c'est indiqué dans la notice, mais moi voilà, j'ai foncé tête baissée et j'ai utilisé comme ça. C'est pas assez hydratant et du coup ça faisait des paquets, c'était horrible. Par contre par dessus une crème hydratante c'est génial, mais moi je l'applique que en bas, je l'applique pas sur la paupière, je l'applique vraiment que en bas ici. En tapotant, je mets des petits points avec le stylo, je mets des petits points et je viens le tapoter sous le contour des yeux. Et c'est vrai que ça vient, ben, je sais pas, ça comble en fait. C'est vraiment hyper bien. Donc là, je sais pas si on peut le remarquer, mais quand je souris, eh ben, j'ai plus ces petites ridules que je pouvais avoir avant qui me dérangeaient, mais au plus haut point. Et j'aime beaucoup, ça illumine. C'est vrai que ça a un côté illuminant. Je vais essayer de vous montrer sur la main. Hop. Donc c'est comme ça. Donc, je me rapproche. C'est comme ça et du coup la texture elle est assez épaisse hein, quand même. Donc faut vraiment tapoter. Bon là je vais le faire assez rapidement pour vous montrer. Et je sais pas si vous pouvez voir le côté nacré. Si on le voit un peu. Il y a un côté nacré et ça je peux vous assurer que sous les yeux ça, pff, ça vous réveille le regard. C'est un truc de malade. Et moi du coup ce que je fais c'est que je le descends un petit peu au niveau des... Vous savez où on met l'highlighter normalement. Je le mets là. Et franchement, quand vous n'avez pas la peau maquillée encore, c'est juste trop joli. Donc pour les personnes qui ne se maquillent pas forcément, le fait de mettre ça, bah, ça illumine votre contour des yeux, ça le lisse. Enfin, je trouve que c'est un très très bon produit. Donc même après, enfin, moi je vois plus l'effet illuminant, puisque après je me maquille. Mais en tout cas, l'effet comblant, lissant, lifting, etc. Je le vois vraiment. Donc je suis super contente de ce produit-là et je pensais vraiment pas. Donc c'est pour ça que je suis deux fois plus contente. Donc voilà, c'est tout ce que je fais le matin au niveau de ma peau. Après je me maquille, etc. Mais par contre, je voulais vous montrer aussi mon combo au niveau du dentifrice. Parce que j'adore ce dentifrice, où j'en ai déjà parlé. Mais là, je voulais vraiment l'inclure dans la routine puisque je l'ai redécouvert. Et c'est vrai que je suis complètement fan de ce dentifrice. Je crois que c'est mon dentifrice, il n'y a pas à dire. C'est les Oral-B 3D White Luxe. Donc ceux-là, ils étaient vendus en kit. Vous savez, le kit Shakira que j'avais acheté en je ne sais combien d'exemplaires pendant les promos beauté Leclerc. J'avais acheté plein de kits et je regrette vraiment pas. Vous avez donc celui-ci qui est le dentifrice donc, que vous faites en premier. Voilà, le classique. Franchement, il glisse bien, il blanchit bien, j'aime beaucoup. Donc là, je sais pas si vous pourrez voir quelque chose, mais en tout cas, moi, je vois la différence. Et ensuite, vous passez l'accélérateur de blancheur, donc juste après avoir lavé vos dents. Vous passez ça, donc ça, je le fais pas systématiquement, c'est vraiment quand j'ai le temps, parce que le matin, en général, me brosser les dents deux fois, voilà, ça me prend 2 minutes en plus, et 2 minutes le matin, vous savez comme moi que c'est très précieux. Du coup, voilà, je fais pas systématiquement, mais c'est vrai que j'utilise vraiment ces deux là et je vois la différence. Ça vous blanchit les dents, ça vous les lisse, les dents restent bien propres toute la journée, vous n'avez pas un dépôt qui se fait au fil de la journée où c'est un peu, vous savez, un peu rugueux, parce que moi je me lave pas les dents le midi, donc quand je pars du matin jusqu'au soir, bah forcément je sens ce petit côté voilà, dents plus très nettes, et avec celui-ci pas du tout, donc franchement je peux que vous les recommander. À part si vous avez les dents sensibles, les gencives sensibles, etc. Faites attention, ne faites pas tous les jours, alternez avec d'autres dentifrices. Mais bon, moi ça me convient plutôt bien comme ça, donc voilà. Ensuite, on passe au soir. Donc le soir, ce que je viens faire, dès que je rentre chez moi, c'est vrai que je me démaquille immédiatement parce que c'est un peu le... Autant j'adore me maquiller, mais j'adore aussi me démaquiller, c'est un moment de pur bonheur pour moi, c'est de la libération en fin de journée. Comme j'ai la peau grasse, vous savez, la peau elle sécrète du sébum, ça fait un mélange pas très cool. Et du coup c'est vrai que j'adore me démaquiller aussi. Donc dès que je rentre c'est démaquillage. Et là actuellement j'utilise le gel crème moussant ultra démaquillant de chez L'Oréal, le Démac Expert. Démac Expert que j'aime beaucoup mais malheureusement ne se fait plus. Je l'avais trouvé chez Stokomani, j'en étais acheté plusieurs. Donc il doit m'en rester 3 ou 4 en backup. Mais ce démaquillant, franchement, il est super bien. C'est un gel crème, comme son nom l'indique.
vous mouillez votre visage, vous mettez ça dans vos mains, vous passez sur le visage et ça démaquille super bien. Ça se transforme en lait au contact de l'eau et tout, enfin c'est vraiment agréable. Et j'arrêtais pas de vous dire que mon télescopique, là, le mascara télescopique, j'avais du mal à le démaquiller. Et en fait avec ça, ça part tout seul. Donc je ne sais pas si c'était l'huile que j'utilisais avant qui était pas hyper efficace sur les yeux. Je me pose des questions, franchement. J'utilisais, c'est quoi, l'huile démaquillante de chez Nocibé. Je me pose un peu de questions là, puisque avec ça, ça part super bien. Donc voilà. Hop, je fais ça. Ensuite, je repasse du coup mon nettoyant pour vraiment peaufiner, enlever tout ce qui reste en démaquillant, etc. Donc à savoir que pour vraiment bien nettoyer votre peau, il faut faire vraiment deux, voire trois étapes. C'est vraiment le démaquillage, le nettoyage et la lotion, et après vous hydratez votre peau. Parce qu'il y a des personnes qui vont qui croient que juste démaquiller la peau avec un lait, ben c'est suffisant. Non, repassez un coton après, vous verrez que c'est pas toujours clean clean. Donc je fais ça et ensuite je viens peaufiner avec ma lotion micellaire tout en un de chez Garnier pour les peaux sensibles, nettoie, démaquille, apaise sans rinçage. Donc j'étais vraiment pas fan des eaux micellaires, mais je sais pas, depuis quelques ans j'aime bien faire ça, je passe mon eau micellaire après, j'aime bien passer au niveau des contours du visage, des oreilles, dans le cou, tout ça, parce que je passe pas du tout l'huile dans le cou, je déteste que ça coule et tout, donc je n'aime pas ça. En plus au niveau des cheveux je vais pas trop passer les huiles, les démaquillants, ça graisse les racines, donc je fais attention à ça. Et du coup je viens peaufiner avec ça, et en général il n'y a plus grand chose sur le coton, mais bon. Voilà, il faut y passer quand même. Et donc moi, mon eau micellaire, je la rince, puisque pour moi, une eau micellaire, regardez, voilà, ça mousse. Donc quand ça mousse, c'est que c'est savonneux, c'est qu'il y a des tensions actives à l'intérieur, ça mousse, c'est pas bon pour votre peau si ça reste sur la peau. Donc voilà, je fais ça, et ensuite bah, je repasse du coup mes lotions que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc soit celle-ci, ça dépend vraiment l'état de ma peau. Ensuite, comme le matin, je fais exactement la même chose au niveau des soins, enfin des hydratants. Je repasse mon sérum, je repasse ma crème Kiko et je repasse mon contour des yeux comme d'hab. Par contre je rajoute avant d'aller me coucher, c'est ça, je crois que je vous ai tout montré hein. Ouais. Par contre ce que je rajoute au niveau du contour des yeux, des cils, c'est en ce moment j'utilise, c'est le Revitalash, donc c'est un soin revitalisant pour les cils. Donc celui-ci m'a été envoyé par le site Paradrugs, donc si vous ne connaissez pas, c'est une parapharmacie qui a vraiment des bons rapports qualité prix, notamment sur ce produit là je sais que vous êtes pas mal à vouloir tester, et le prix est un peu voilà, ça pique un petit peu. Donc c'est vrai que sur le site Paradrugs, j'ai comparé par rapport à d'autres sites, ils sont quand même assez avantageux. Je vous laisse les liens en barre d'infos. Et donc là, je l'ai commencé depuis le 5 décembre. On est, je crois, le 12 ou le 13. Et bon, je sais qu'il faut un petit temps vraiment pour voir les effets, mais je suis déjà assez contente du résultat que je peux avoir. Donc vous appliquez ça le soir en ratil, comme un liner, vous voyez, pareil. Et donc vous appliquez ça un tout petit trait, vraiment il en faut vraiment très très peu au ras des cils, et vous laissez poser toute la nuit. Donc je vous conseille de vraiment le mettre quand vous allez vous coucher. Moi je le mettais directement, au départ je le mettais directement après m'être démaquillée, parce qu'après voilà je fais ma vie, je vais sur l'ordi, je mange, blablabla. Et donc oui, je vous conseille de le mettre vraiment au dernier moment. Et par contre faites attention, n'en mettez vraiment pas trop, ça sert à rien de badigeonner, d'en mettre des couches, parce qu'au bout d'un moment ça va vous piquer au niveau de l'œil. Et le lendemain, moi les premières fois j'en mettais énormément, et les lendemains en fait j'avais l'œil un petit peu collé, comme si j'avais une conjonctivite ou un début de conjonctivite. J'avais vraiment ça me faisait comme pas du pu, mais vous voyez, on sentait qu'il y avait quelque chose qui avait travaillé la nuit, et que au niveau de l'œil bah, ça avait tout dégagé au niveau du coin de l'œil. C'était assez dégoûtant, voilà, j'avoue. Donc les jours suivants j'en mettais beaucoup moins et j'avais plus de soucis. Donc vraiment il faut en mettre très très peu. C'est un soin qui fait... Combien de millilitres il fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il fait 2 millilitres, c'est vraiment pas grand chose. Mais quand vous comparez la dose que vous devez mettre au niveau de votre contour des yeux, c'est vraiment rien. Je pense qu'il va me faire... plusieurs mois. Au niveau des cils, pour le moment j'ai l'impression que ça marche. De toute façon je vous ai fait une photo avant et je vous ferai une photo après. Je vais attendre 2 voire 3 mois avant de vraiment vous dire ce que j'en pense. Mais pour le moment j'ai l'impression que ça marche plutôt bien au niveau de mes cils. Donc là je suis maquillée au niveau des cils évidemment, mais j'utilise toujours le même mascara depuis des mois et des mois. C'est le télescopique, bien sûr ça m'allonge un petit peu les cils, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus denses déjà en racines. Donc voilà,
J'ai grand espoir dans ce soin. On verra, je vous en dirai des nouvelles, mais pour moi là ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ensuite, au niveau des soins que je peux faire une à deux fois par semaine, tout ce qui est masque et gommage. Donc tout d'abord j'ai deux gommages à vous présenter qui sont pour moi assez similaires et j'adore ce genre de gommage. Donc tout d'abord on a le Aquatil qui est un gommage vraiment hyper naturel, qui sent bon le monoeil, qui sent bon la... les vacances quoi, ça sent vraiment super bon, c'est au karité, à l'argan et parfum monoeil. Et dedans vous avez des particules hyper hyper fines, style micro-dermabrasion, c'est vraiment ça. Le truc est hyper clean au niveau de la composition, ça sent trop bon et ça gomme vraiment vraiment très très bien. Donc ça, je peux que vous le recommander, vous le trouvez notamment sur le site de Beauté Privée, il est vraiment pas cher, moi j'en avais acheté un, je crois que je l'avais acheté 11€, sachant que c'est un 150ml pour un gommage, c'est vraiment énorme, ça vous dure très très longtemps, c'est un flacon pompe airless un petit peu, donc c'est vraiment très hygiénique également, je peux que vous recommander, il est vraiment trop trop bien, franchement foncez. Il est génial. Et donc j'ai pu tester également via Octoly, comme la lotion que je vous ai présentée tout à l'heure de chez Natura Brasil. C'est la crème exfoliante micro dermabrasion cette fois-ci. Et donc à l'intérieur là vous avez du bambou. C'est du bambou broyé très finement. Et c'est pour moi exactement la même finesse au niveau du grain que celui que je viens de vous présenter. Et toujours un produit naturel vraiment très très bien. Une odeur plus neutre, un peu plus mixte j'ai l'impression sur celle-là. Mais... Ça vous gomme la peau, mais c'est trop bien. J'adore ces deux gommages, franchement c'est mes deux chouchous en ce moment. Et donc pour finir, il y a les masques. Donc les masques j'utilise toujours, c'est les deux de chez L'Oréal. Donc j'en ai plusieurs de masques, vous allez voir. J'ai les masques de chez L'Oréal, le masque purifiant, le vert à l'argile. Argile verte il me semble. Et le masque détox à l'argile et charbon. Donc ces deux là j'utilise pas mal. Regardez-moi, ils sont quasiment terminés d'ailleurs. Voilà. Donc c'est des masques qui sont très frais, très purifiants au niveau de la peau. Ça j'aime plutôt pas mal. Et donc le noir qui est quasiment terminé aussi. Je crois que j'ai une préférence pour le noir, même si au niveau de l'odeur je préfère le vert. Mais je préfère l'utilisation du noir. Bref, voilà. Et donc ces masques là ils vont vraiment lisser la peau, resserrer les pores. C'est très purifiant, c'est relaxant en même temps. Enfin, moi je les aime beaucoup ces masques là. Ensuite j'ai pu tester de chez Institut Arnaud. De chez Institut Arnaud, c'est le masque purifiant. Donc là, vous avez deux argiles, une argile verte et une argile blanche à l'intérieur. Je dois dire que celui-là, c'est pas mon préféré non plus, parce que déjà au niveau de l'odeur. L'effet est sympa, mais l'odeur, franchement, pas top. Je trouve que l'Institut Arnaud, en fait, c'est des bons produits. Mais je me dis que pour le prix, ils devraient faire attention à l'odeur de leurs produits, même si je pense... C'est peut-être fait exprès puisque c'est des produits qui sont sans parfum ou je ne sais pas. Mais pour moi, c'est important l'odeur aussi. Donc voilà. Je suis pas hyper fan de celui-là, mais bon, comme j'utilise, je vous le montre. Il n'y a pas que des tops hein, dans la vie. Et dernièrement, j'ai testé, c'est les masques au rasoul de la marque Aroma Dune. Comme ceci. Voilà, et donc ça déjà au niveau du packaging de ces petits masques, donc c'est des masques que vous pouvez faire sur le visage et également au niveau des cheveux. Donc si vous ne connaissez pas le rasoul, en fait c'est une argile volcanique enrichie en algues marines. Et donc ça vient exfolier, détoxifier, reminéraliser, c'est dur à dire, et tonifier la peau. Alors moi ce matin je l'ai fait et donc... Voilà, ça se présente comme ça, sous forme de sachet. Ce que j'ai fait avant, c'est de la même marque. J'avais fait le savon noir sur tout le corps, également sur le visage. Donc le savon noir, c'est un exfoliant qui va nettoyer votre peau et enlever toutes les cellules mortes, qui va préparer, vous savez, vous gommez avec un gant, etc. Et donc je l'avais fait sur le visage et après j'ai passé le rasoul. Et franchement, vous sentez que c'est des produits qui sont clean. Il n'y a rien de chimique là-dedans. C'est vraiment des bons produits. Et Aroma Dune, de toute façon, je pense que je vous en reparlerai. Il y a également des produits à gagner. Ce sera sur mon Instagram. Suivez ça. Et voilà, c'est vrai qu'après, j'avais la peau beaucoup plus lumineuse et plus lisse. Donc après, au niveau des boutons à voir, des choses comme ça. Mais pour le moment, j'en suis assez satisfaite. Et en plus, le fait que ce soit en petit flaconnage, comme ça, en petit échantillon, c'est vraiment hyper hygiénique et très pratique à emporter. Donc
Ça, je vous en reparlerai, je pense. Et aussi, j'ai oublié de parler du soir. Quand je vais me coucher, j'utilise toujours un baume à lèvres et c'est le Carmex. C'est mon préféré, celui à la vanille. Un peu mentholé comme ça, je trouve que c'est celui qui répare le mieux, qui reste bien sur les lèvres, qui hydrate vraiment bien, donc ça j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour ma routine soin visage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petits conseils, des petites idées de trucs à tester pour votre peau, etc. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!